and Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. Unknowingly, they have been hired by a shadow client to target a number of operatives of Providence, a secret organization working in the highest echelons of power. Providence's controller, the Constant, approaches Diana and makes her a deal. Eliminate the shadow client and learn about 47's past. But when 47 discovers that the shadow client is Lucas Gray, his lost childhood friend, he and Diana switch sides to fulfill an old pact. Destroy Providence. Together, they manage to capture the Constant, forcing him to reveal the identities of the three Providence partners. Eliminate them, and the war would be over. However, the Constant has an ace up his sleeve. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la campagne de Hitman 3, un let's play sur Hitman 3. Du coup, le jeu est sorti le 20/01/2021 et je ne parle plus, je laisse la cinématique. Look closer. In the shadows. Behind the everyday world. Beyond the headlines and the seats of power. A hidden hand. A kind of company known as Providence. To it, we were just assets to use and throw away, to do the unthinkable, the unforgivable, and it never gave us a second thought until now. After decades in the shadows, we are fighting back. Me and 47. Much has been lost, but we are closer than ever. We trapped the Constant, Providence's chief controller, and finally learnt the names of its three partners. In their downfall, we lay the past to rest. And just maybe look towards the future. 47. It's time. Partners are down there. You know, I never planned this far ahead. You never do. I see someone got his memory back. Wait, is that a beacon? What the hell? Base. Alexa Carlisle's helicopter just took off. Confirm target locations. Over. Diana, what's the status? Right. We have a situation. Carlisle has left the building. And I think I know why. The Constant has escaped. He persuaded one of the sailors into setting him free. And since then, he's been seizing control of Providence assets and resources. I can only assume Carlisle is rushing to contain the damage. If she slips away again... We'll keep track of her. Make sure she doesn't. Meanwhile, the plan stays the same. Your destination is the Scepter, the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host, Sheikh Omar al-Ghazali. Marcus Stuyvesant is fifth-generation old money. His family made its fortune in real estate and banking, and were at one point the chief landowners in New York. Carl Ingram is a powerful Washington kingmaker whose family grew rich selling gunpowder during the American Civil War and later established a globe-spanning empire in oil, coal, and steel. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming
So Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all electronic doors and elevators. Stuyvesant and Ingram are about to find they have nowhere left to run. Right. This is our moment, 47. Providence ruined our lives with the flick of a pen. Today, we return the favor. Happy hunting. Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau let's play sur Hitman 3. Enfin, sur un nouveau jeu, donc Hitman 3. Donc, bah, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Donc voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et on est parti sans perdre plus de temps pour un let's play. Alors, juste pour vous préciser quelques petits détails. Alors attendez, hop, oui. Juste pour vous préciser quelques petits détails, sachez que ce sera des vidéos très longues parce que je vais tout découvrir avec vous. Donc voilà, je pourrais pas faire une mission en 15 minutes, c'est pas possible. Donc ce sera des vidéos max de 1h, 1h10 à peu près. Ça peut être long, mais voilà, vous êtes prévenus, c'est Hitman. Et on est parti sans perdre plus de temps. Les amis, on va jouer en professionnel et go! En espérant que ce let's play vous plaise de ouf. Et puis moi j'ai très hâte. J'adore les jeux Hitman. C'est l'un de mes jeux discrétion. C'est mon jeu de discrétion. Ah, attends. Welcome to Dubai, 47. Today is the inauguration of the scepter, and the ceremony is well underway. You will find Marcus Stuyvesant near the building's signature art installation. While a paranoid Carl Ingram has ensconced himself in his penthouse suite, security on highest alert. Mr. Gray is already in position and ready to assist. Good luck, 47. Merci beaucoup. Alors avant, on va juste, pour moi, modifier les options parce que l'audio, je saigne des oreilles à l'heure actuelle. Voilà, tout simplement. Je saigne vraiment des oreilles. Donc oui, j'espère que ce let's play, du coup, va vous plaire. La musique, on peut le baisser, voilà. Et puis voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et on est parti. 47, come in, 47, do you copy? I'm here. Are you in position? I'm heading towards the point of entry. Good. Get back to me when you're there. Ça claque, je joue en... Alors, ouais, je joue en full ultra et tout, hein. Vraiment là, le jeu il est dans le plus haut possible. Oh tchao, c'est classe. Ah ouais. C'est magnifique. Et on va où là? Je sais même pas où aller moi. Ah, ok. Ok. Donc ça va être un jeu, ça va être un let's play, mais les vidéos seront vraiment assez longues dessus, hein, parce que c'est mon premier rush et on sait que voilà, les premiers rushs sont souvent très longs. Et tant mieux parce que moi j'aime bien les vidéos longues, mais c'est juste pour vous quoi. Bon, regarde-moi cette vue. Locked. 47, use your camera and scan the lock, will you? I think I can override the window's controls from here. Ouais. Ok, alors I. Très bien, donc ça c'est le fameux nouveau gadget pour scanner les portes électriques, etc. Très bien. I'm in position. 47, the inauguration is taking place close by. Once you've infiltrated it, get your bearings. I'm sure there must be floor plans somewhere. Understood. We need absolute focus on this one. If Ingram and Stuyvesant are alerted to our presence, we may lose them for good. We are so close, 47. Don't worry. They're not going anywhere. Ok, très bien. Pour l'instant, donc là, on monte. J'espère que le son est bien réglé. Si ma voix est trop faible par rapport au jeu dans les prochaines vidéos, je vais le régler. Donc je suis désolé. C'est pour ça que je parlerai pas trop dans les dialogues, etc. Putain, mais attends. Attends, mais on n'a pas le droit du tout, là. Alors déjà, ça commence bien. Ah d'accord. Ah bah d'accord. Nickel, en vrai. Parfait. Waouh, c'est magnifique. Merci beaucoup, monsieur. Nice. C'est notre ami, lui, non? Hello. Good to see you.
Waouh. Alors lui c'est pas notre cible. Il y a une cible en haut et l'autre cible, bah je ne sais pas du tout où aller. Attends, mais lui, c'est pas notre cible? Ah, si c'est pas notre cible, comment ça se fait? Alors, parce que là, j'ai une cible là-bas. Ah, d'accord, c'est pas du tout ma cible. Très bien, autant pour moi. Bon, au moins, l'écouter parler, très bien, c'était très joli. Mais honnêtement, regardez-moi ces reflets de lumière. Oh, magnifique, c'est vraiment trop, trop beau. Oh la vache, le jeu est encore plus beau que le 2. Hein. Enfin, j'ai l'impression, hein. Oh, truc de dingue. Ah, il y a une opportunité! Alors, oui, dans le jeu, on va céder des opportunités, bien évidemment. Listen, I want to talk to the partners directly, make them understand why all of this is happening. And that terminal gives me an idea. There's a server room near the Sheikh's personal reception. If you can gain access to it, we might be able to recover useful intel from it. We'll have to work together to hack the system, but it's our best shot. Très bien. Nickel. Et du coup, nouveau Hitman, nouveau personnage. On a Hitman, on a la fille qui nous explique la mission, mais on a aussi le mec qui nous accompagne dans l'émission, qui est dans le jeu, là, il est dans la map, faut juste le trouver, mais il est dans la map. Il fait sa vie, et voilà. Du coup, là, on va aller... Alors, on va céder des intrigues, voilà, je joue en professionnel, bien évidemment, c'est nickel. Pas en mettre, parce qu'on n'a pas la sauvegarde, malheureusement, illimitée, donc bon, mais ça va être chaud. Examiner le plan de l'étage. Ah, c'est comme ça qu'on fait. It looks like the staff area could provide you with a viable route to the server room. Eh ben, on y go alors. On y go, on y go. Il est vraiment... Il est trop beau. Honnêtement, il est magnifique. Oh, oh là là. Bonjour. Dommage qu'il n'est pas en VF, parce que Hitman Absolution, Blood Money, et Hitman Contrat et tout le bordel, et c'était en VF. Dommage, j'aurais trouvé mieux en VF, mais bon. Il y a un keypad lock sur les portes de la staff area. Un moment. Alright, try this. 4-7-0-6. 4-7-0. Alors attends. 4. 4. 7. 0 et 6. Yes! Ok, merci mon pote. Est-ce qu'on est un peu de. One moment. You ready for some more fresh air, 47? Oh oui. Et du coup, c'est trop bien parce que du coup, ouais, on a plus la fille qui nous aide maintenant. C'est. Voilà. Il y a un autre mec qui nous aide et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Je trouve, hein. Ouais. Ouh. Comment je peux attirer un... Oh. Donc ça va. Même pas besoin de faire le tuto. J'ai joué aux deux il y a pas longtemps. Enfin, j'ai fait... Ah oui, mais du coup, c'est une femme. Je vais pas pouvoir me déguiser, si.
Non. Génial, ça m'aide pas par contre. Alors ça par contre ça m'aide pas trop ça, tu vois. Bon bah on recommence. Allez, mais viens. Voilà. Putain, qu'est-ce qu'il est lent. Nickel. Donc là, on se déguise. Voilà, ça c'est parfait, ça. Nickel. Et... non, en vrai, c'est parfait. Nickel. Donc là, hop, on peut se balader. On a le droit. Et ça, c'est cool parce que la map, il y a eu déjà une nouveauté. Les points, ils sont gris maintenant. Et on voit beaucoup mieux sur le plan. Oula, alors lui, il peut me détecter. Mais je dois aller là. Il y a quoi ici? Bonjour, ok, donc ça c'est les cuisines de Dubaï. Yeah. Ouais. Attends, je vais sauvegarder, je le sens pas, cette histoire. Voilà, je préfère sauvegarder, parce que là, je ferai souvent des sauvegardes, hein, vous êtes prévenus. Ouais, mais alors moi, comment je passe? C'est bon. I think I can open that window remotely. Scan the lock with your camera and I'll have a try. Come on, what the... ah. Oh no, not now. Oh, what a freaking waste of time. Je suis un peu coincé là. Oh. Alors ça on prend. Comment on fait pour les dégager eux? Oui. Ah oui. Oh mais attends, mais c'est parfait, ils partent. Je pensais qu'ils allaient refermer la fenêtre, mais je pense qu'ils ne peuvent pas refermer la fenêtre parce qu'ils ont pas le... C'est par... ouais. C'est pas par... ouais, c'est pas une fenêtre normale. Je vais pas tomber si je vais là. Vas-y, on tombe. What the... Sheikh Al-Ghazali is reaching out to his worldwide network of lawyers and financial contacts, attempting to restore the lost power base of the Providence Partners. If Ingram and Stuyvesant were asked to a meeting, thinking they'll be told of new developments, I suspect they'd jump at the chance. There's a lounge area at the top of the building. It can be sealed off for private conversations. If we lure the targets there, they'll be trapped. Ok, je peux pas aller là, bah par où on va là? Bah... attends, quoi? Mais pourquoi les mecs ils m'emmènent à la fenêtre alors? Je comprends pas. Attends, mais si ça sert à rien, où je vais moi alors? On va essayer de passer par là. Attends, mais si on me dit de passer par la fenêtre, il y a forcément un moyen. Voilà, ok, par là. Ok, on tient un truc, les mecs, on tient un truc. C'est parfait. Putain, Hitman, il est costaud, hein. Faut pas avoir la peur du vide, hein. Waouh. Oh là là, les reflets de lumière, toi. Magnifique. Ah là, je joue en ultra et tout. Bon, sur YouTube, ça va pas vraiment... oh, j'ai flippé. Faites pas attention à moi, hein. Vraiment, faites pas attention à moi. Oh là là, mais c'était classe. Comment j'adore. C'est trop beau. Allez, vas-y. Hop là, parfait. Alors, on va prendre le téléphone caméra. Ça, c'est pratique, ce truc. En plus, on peut jouer en mode VF sur PS4, mais bon. Trop la flemme de le faire et j'ai pas de... Ensuite, je vais où? Trouver la salle des serveurs. Ah d'accord, donc on m'aide même plus là, c'est vraiment... Oh, attendez, on sauvegarde juste ici, parce que j'ai trop la flemme de reprendre là. C'est bon, à partir de maintenant, on sauvegarde de moins. Alors ça, c'est parfait, il y a deux. Pardon?
Ah, génial. Par contre, pour qu'une personne vienne ici, on n'est pas dans la merde. Ah si, attends, y'a... Ah putain, mais y'a des caméras! Ah oui, j'ai pas fait gaffe à la caméra! Elle est où la caméra? Attends, y'a un truc vert, donc y'a forcément une caméra, mais où? Ouh, ça va être compliqué cette mission. Ouh là là. Mais tant mieux. Attends, parce que là, il y a une caméra, justement. Ouais, non. On va vite. Alors, par contre, si personne veut venir... Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est dur, ce jeu. Putain, mais lui, il va se remettre là. Bah oui, bah forcément... Bon, et tais-toi, toi. Ah, oh, il en fait du bruit, lui. Bon, eh ben, on va attendre pour passer. Tout doux. Tout doux, doudou. Tais-toi. Merci bien. Alors là, mon objectif dans le jeu, c'est de faire... Oula, il y a eu un bug. Mon objectif dans le jeu, c'est de tuer tout le monde. Enfin, de pas tuer les... De tuer que les cibles, en fait. De pas tuer les gens à qui je prends leur costume et tout, même des gardes. Voilà, tout simplement. Et si un jour je me fais repérer, je vais recharger la partie, bien évidemment. Alors, ok, donc lui me détecte plus, c'est parfait. Salut, cousin. Alors, trouver la salle des serveurs. Ça va, on nous aide pas trop, c'est tout ce que j'aime. J'avoue que j'aime pas trop quand on nous aide. Dans Hitman Blood Money, on nous aidait pas autant, ou même dans les nouveaux. Ah bah d'accord, au pif quoi. Génial. A calendar function. We can use this to summon the partners to a fake meeting, 47. All right, I'm no hacker like Olivia, but I think you need to pull one of the racks here to gain access to the terminal. Pardon? Attends, quoi? Attends. Il a dit quoi? Tirer sur... Hein? Attends, mais je sauvegarde, mais ça va jamais marcher. Attends, quoi? Mais j'ai pas d'armes! Ah! Oui, ça va. Damn it. A silent alarm has been tripped. Security is on its way. Hide, 47. Hein? Hey, cache-toi où? Cache-toi où? Y'a personne! C'était une erreur! Voilà! Yes, sorry about that, 47. Let's try again, shall we? I think I've got it. We'll need a key card to gain access. Someone in maintenance should have one we can borrow for a spell. Ok. T'aurais pas pu le dire plus tôt, j'ai risqué ma vie, moi. En plus, les portes, elles ont fermé. Oh, c'est trop bien, ce jeu, j'adore. Alors, pousser, c'est peut-être pas la... Alors, pousser, c'est pas la meilleure option... Pardon, sauvegarde. Tout... Ah non, pas chargé, hein. Oh là là, malheureux. Tout, fais dodo. Non. Ta gueule, arrête de gueuler. Ah.
Oh, j'ai bien fait de sauvegarder, même si, ouais, j'hésitais à recharger, mais tant qu'elle n'avait pas les gardes, c'est bon. Alors, je vais pas le jeter, parce que déjà, c'est à l'élimine, et de deux, il y a plein de gens en dessous, donc mauvaise idée. Alors déjà, on cache ce corps-là. Désolé, demoiselle. Prendre la carte d'accès, parfait. Passer la carte d'accès, très bien. Nickel, donc on fera une mission par vidéo parce que le jeu est tellement long. Il n'y a que 6 niveaux donc ça va aller très vite comme let's play, donc 6 épisodes logiquement. Et voilà. Après il y a les DLC mais j'ai pas pris de gold donc je vais voir si je paierai les DLC, si je vais payer les DLC plutôt. That must have done something. Can you see anything different in the room? Non. Quelque chose a changé dans la pièce. Pardon? Obtenir les droits. Mais de quel droit il me parle? De quel droit tu me parles? Putain, je comprends pas. Obtenez les droits d'administrateur. Alors, soit il y a un bug ou soit je comprends pas. Parce que là, j'ai pas de menu, là. Ok, j'ai pas de menu. Qu'est-ce qui a changé? Obtenir les droits d'administrateur. Attends, je vais sûrement faire une boulette, du coup je suis désolé de re-sauvegarder, mais je pense que... Attends, parce qu'il faut pas faire ça, saboter, mais attends, attends. Ah, c'est verrouillé maintenant les portes. Ah d'accord, j'avais pas fait gaffe, et du coup si on tape, si on fait ça... Ah d'accord, ok. We're in. Now all you need to do is access the terminal, and use the calendar option to summon the Providence partners to a meeting. Good work. The meeting has been booked. The partners should be moving up here shortly. Huh. Looks like the lounge can be sealed off for private conversations. Handy. Excellent. I see the partners moving. You should join their meeting. Time to end this, 47. Cameras are showing a lot of guards up here. They wouldn't suspect one of their own. Allez! Allez! Penthouse. Et comment on monte? Parce que j'ai pu... Je connais pas la map en fait. Hello. Alors là on est vraiment... Alors là, alors attendez, parce que je vais tenter un truc risqué. Ouais, je sauvegarde parce que j'ai... Ouais, bon. Promis, j'arrête de sauvegarder autant de fois. Attends, mais y'a pas un escalier dans ce... Dans ce truc? Y'a pas une carte? C'est un... Alors ça c'est... D'accord, donc faut... je dois passer... Ah bah au pire je suis con. Bien sûr, je passe par là. La salle de conférence. Bonjour messieurs, enchanté. Je suis un garde. Bonjour monsieur. Waouh, ça me stresse ce jeu. Oh, c'est trop bien, j'adore. Oh, cette vue d'enfer. Oh là 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 là, cette beauté. Oh là 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 là. Il nous régale. Bonjour messieurs. Trouvez le salon. Bon bah ça c'est pas compliqué, faut juste... Les partenaires sont seuls maintenant. Je vais activer le panel contrôlant les features de la sécurité. Quand vous êtes prêt, utilisez-le pour commencer le show. Maintenant, nous allons juste attendre pour les partenaires d'être seuls. Then you can activate the room's lockdown feature. No, but I've known this man for a long time. He wouldn't call us up here without good reason. Ah, c'est bien, il se met en garde. We'll have multiple scenarios ready for us very soon. Ah, c'est trop bien, il se met en position de garde. We need to discuss Alexa. What's there to discuss? Il y avait ça dans le 1 et le 2, mais le 2 c'était moins fréquent. At the most critical moment, she abandoned ship. That
family has never been trustworthy, and Alexa just proved to us that she, and indeed any of her heirs, isn't up to the task. What's this? Carl? Did you do that? I certainly did not. I have no idea what's going on. Gentlemen. What's the meaning of this? You. You're the one responsible for all this. Gray. Je pars silencieux, fiche. What do you want? Something that has been a long time due. Revenge. Revenge? How banal. You killed Cobb, Navikov, Caruso, the Washington twins, everyone at Haven. You broke into our bank. And you outed Providence to the world. Whatever perceived slight we've done to you is insignificant to the amount of damage you've caused us. You've caused the world. You're a murderous terrorist. Nothing more. What did we ever do to you anyway? You specifically? Nothing. Providence, everything. Providence made me, and at the flick of a pen, Providence broke me. I'm just returning the favor. Providence has ruined the lives of countless people, expecting and facing no consequence for its actions. You take for yourselves and those who support you, and you burn everyone and everything else to the ground from the comfort of the shadows. No more. You're delusional. Exposing us achieved nothing beyond moving a few pieces around on a board much more complicated than you can fathom. The world believes we're dead. What more do you want? Me? Nothing. My friend, however, well, let's just say he's a bit of an expert. I'm just here to watch you die. 47, finish it. All right, that's that then. Finally, Stuyvesant and Ingram are gone. Providence will soon be no more than a bad memory. 47. Thank you. I'll meet you at the rendezvous on the edge of town. 47. Finish it. Il est badass. Oui, j'aurais pu les tuer avant, mais bon. J'imagine que voilà, je vais vraiment prendre mon temps et pas tout faire vite. On profite de la vie une dernière fois pour la fin de cette vidéo. 32 minutes, ça va, j'ai pas mis autant de temps que ça. Après, Hitman, c'est un jeu que je pourrais. Hitman, cette mission-là, je pourrais la refaire au moins 2-3 fois avec des opportunités différentes, et ça, c'est cool. On profite une dernière fois de la vue. Bien. J'adore. Vous avez... Très bien. Bon, après cette cinématique-là, normalement, il y a une cinématique, je pense, là, logiquement, si on suit la logique. Ouais. Et après ça, je vous laisserai pour cette vidéo. Et on continuera notre let's play une prochaine fois. Enfin, demain ou... voilà. Ou après même. Bref. If that's your winning face, I'd hate to see you lose. We underestimated the Constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did,
She'll make it right. She always does. We have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. I hope you like the rain, 47. Miss Burnwood. How did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this. All of it. Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough. Bon bah les amis, pour la prochaine mission, ça sera dans un manoir. Et apparemment, vu ce qu'on voit là, ça va être dans un manoir et j'ai très hâte. Parce que j'ai vu un extrait dans le trailer où on voit le manoir de loin. Il est immense et j'attendais de jouer. Je crois que ça va être l'une des maps préférées. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, que ce let's play va vous plaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure sur Hitman 3. Bye bye tout le monde et portez-vous bien.